Amen, amen, shalom, shalom, bien-aimés, shalom à vous qui êtes là, ici pour écouter ces enseignements, shalom à vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux. Oui, ce soir, nous voulons d'abord bénir l'Éternel qui nous fait grâce de nous retrouver ici pour commencer ces nouveaux enseignements, mais nous voulons aussi bénir le couple pastoral, le père et la mère de la maison, parce que si eux n'autorisent pas, nous ne pouvons pas. Amen. Donc, qu'ils soient bénis. Merci à eux pour cette confiance renouvelée. Merci aussi à vous qui êtes là, à vous qui partagez ce temps, ce moment, au travers de réseaux sociaux, pour que la parole, l'évangile, la vérité puisse être annoncée. Amen. Parce que vous faites aussi partie des outils. Amen. Nous avons les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont manipulés par les hommes. Alors nous devons encourager. Amen. Donc ce soir, nous allons commencer un nouvel enseignement par la grâce de Dieu, avec comme thème la préparation, un atout majeur. La préparation, un atout majeur. Nous sommes toujours dans notre grand thème de l'année, puisque tous les enseignements que nous donnons ici, c'est pour seulement nous permettre de bien saisir ce thème de l'année, afin que nous ne puissions pas passer à côté. Amen. Et alors, dans ma petite réflexion par rapport à ce que je devais préparer pour apporter, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux encore dire, apporter? Nous devons prendre possession de notre héritage cette année, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu veux que nous puissions comprendre? Quelles sont les choses que tu veux que nous puissions faire pour que nous puissions être efficaces? Amen. Pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Et en parcourant la parole de Dieu, j'ai compris quelque chose, la préparation. C'est vrai, on veut hériter, c'est vrai, on veut prendre possession, mais nous devons être préparés pour cela. C'est très important, parce que si on n'est pas préparé, nous allons passer à côté. C'est-à-dire, ces choses-là, tu pourras même les avoir, mais sans préparation, tu vas gaspiller. C'est comme un militaire qui va au front, qui va pour combattre. S'il ne s'est pas préparé par rapport à la guerre, il ne va pas produire de bons résultats. Alors que nous voulons, c'est que nous puissions produire des résultats. Amen. Je veux nous donner quelques passages bibliques déjà, pour que ensemble nous soyons en phase. C'est-à-dire lorsque je vais les énumérer, lorsque je vais les lire, que tous ensemble nous puissions être sur le même diapason. Amen. Donc, nous allons parcourir quelques passages bibliques. Je ne dis pas que c'est seulement les seuls, mais c'est plus ou moins ce que pour l'instant j'ai retenu. Selon l'Esprit de Dieu, nous allons encore voir d'autres, parce que nous sommes là pour faire l'étude de la parole. Amen. Je ne dis pas que je suis le seul à avoir le monopole de la connaissance. Même quelqu'un dans la salle peut donner, au regard de ce que l'Esprit révèle, un passage biblique qui peut nous édifier. Pourquoi pas? Amen. Donc, je suis ouvert à cela. Donc, nous avons quelques passages bibliques. Nous allons parcourir le livre de Nombres. Nous allons lire le verset 13, 1 à 20. Le chapitre 13, verset 1 à 20. Nous allons lire le chapitre 14, 6 à 10.
Nous allons lire le chapitre 27, 12 à 23. Nous allons parcourir le livre de Deutéronome, le chapitre 31, 1 à 8, et le chapitre 34, verset 9. Et puis après, nous allons aller dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1er, verset 1. Et puis nous allons lire le verset 17 à 18. Puis nous allons lire le chapitre 2 et le verset 1. Donc Josué 1, 1. Et puis Josué 1, 17 à 18. Et puis Josué 2, 1. Et après nous allons aller dans le livre de 1 roi. 1 roi 19. Verset 16 et 1 roi 19, verset 19 à 21. Puis nous allons lire le livre de 2 rois, chapitre 2, verset 1 à 18. Et si le temps nous le permet, nous allons lire quelques autres chapitres, versets de la Bible, mais qui ne sont pas vraiment... On va lire Matthieu 25, 34, Jean 1, 23-28, Jean 14-2, et ce qui nous intéresse plus, c'est le dernier livre, c'est Actes 9-4-19. Donc ça, ce sont les passages bibliques. Je vous prie de noter et de le retenir pour que nous puissions être en phase. Amen. La préparation. La préparation, un atout majeur. La préparation, c'est une chose qui nous concerne tous. Chaque personne, en fait, pratique cet acte-là, de se préparer. Parce que lorsque nous levons le matin, quand nous avons ce souffle de vie, quand nous quittons nos lits, nous allons nous préparer. C'est-à-dire, chacun entre dans sa salle de bain, commence à se préparer. Il y en a qui va d'abord prendre un petit déjeuner, qui revient, qui se prépare pour la journée. Parce que le Seigneur lui a fait grâce d'avoir cette journée, qui est une journée de travail, qui est une journée d'études, qui est une journée de diverses choses que nous allons faire dans la journée. Mais avant de commencer cette journée, nous commençons d'abord par nous préparer. Et c'est là que partit ma réflexion, parce que c'est un acte que nous posons tous les jours, au quotidien. Nous commençons par ça. Quand tu commences ta journée, tu commences par te préparer. Amen. Avant de sortir ou d'aller à une fête, un anniversaire, un événement, tu commences d'abord par te préparer. Il faut que tu te prépares. Même si tu t'étais préparé déjà pour aller travailler, puisque tu as un autre événement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore te préparer. Tu vas encore, je veux dire, te remettre en beauté, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avant de pointer son nez à l'extérieur, nous nous préparons. Pourquoi? Parce qu'il y a le regard des gens, n'est-ce pas? Parce que quand on va me voir, on va dire quoi? Ah, tu es bien habillé. Tu es beau, tu t'es bien fait les cheveux. Amen. Ce que tu as mis comme habit convient ou pas? C'est le jugement des autres, de l'extérieur, qui nous pousse à prendre au sérieux cette préparation. Parce que si je sais que je vais affronter du monde, je ne vais pas me préparer n'importe comment. Je vais veiller. Je vais en tout cas faire attention à ma préparation. Pour que lorsque les gens vont me voir, qu'ils puissent voir que je suis bien préparé. Et cette préparation-là va conditionner toute notre journée. Parce que si je suis mal préparé, ma journée elle est foutue. Je ne vais pas me sentir bien dans ma peau. Amen. Les gens ne vont peut-être pas le comprendre, mais moi-même, je veux dire, il manque quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Je n'ai pas fait quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Amen. Imaginez un seul instant que nous nous sommes mal préparés. Nous avons porté un habit qui ne convient pas.
où nous nous sommes mal rasés ou que nous avons oublié d'arranger les cheveux, quel regard les gens auront de nous? C'est de la même manière, bien-aimé, dans les choses de Dieu. Parce que ce sont des actes que nous posons, mais ces actes-là, en fait, c'est des actes, si je puis dire, que Dieu fait, qui doivent nous enseigner. Qui doivent nous enseigner pour la manière dont aussi nous devons conduire les choses de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit la préparation est un atout majeur. Parce qu'une église qui s'est préparée fera face à toutes sortes de situations. Un peuple qui se prépare sera fort lorsque l'adversité viendra. Mais celui qui ne se prépare pas, qui néglige sa préparation, il risque de subir des dommages. Il risque de se mettre dans des situations compliquées. En tant que père, nous avons cette responsabilité de préparer nos enfants. Préparer nos enfants pour qu'ils affrontent ce monde. En leur donnant une bonne éducation. En prévoyant ce qu'il faut pour eux. Pour que demain, on puisse reconnaître en eux des valeurs. Mais ces valeurs, sont des valeurs que les parents ont communiquées. Ont pris la peine, en tout cas, d'enseigner aux enfants. Quand tu viens, tu vois un adulte, tu dois le saluer. Quand tu viens, il y a une place. Quand il y a une personne qui est plus âgée, tu dois céder la place. Cette préparation-là fera en sorte que demain, on va voir, on va dire que cet enfant est bien élevé ou il ne l'est pas. Il est poli ou il ne l'est pas. Amen. Et Dieu est un père responsable. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas jetés dans ce monde sans pour autant que nous puissions nous, sans pour autant qu'il puisse nous préparer à affronter le monde. Il nous a donné divers outils. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous négligeons ces outils-là. C'est-à-dire, nous ne prenons même pas la peine de jeter un regard. Alors que lui a mis ça à notre disposition. C'est à nous de prendre maintenant la peine. C'est à nous de chercher maintenant qu'est-ce qu'il dit face à telle situation. Parce qu'il a déjà donné les orientations. Pour que demain tu puisses être prêt à affronter la vie. Et le rôle de l'Église, c'est de nous préparer en tant que chrétiens. Amen. C'est de nous préparer dans tous les domaines, pas seulement le domaine spirituel. Dans tous les domaines auxquels nous allons faire face. Pour que nous puissions être forts, savoir qu'est-ce que nous devons dire, savoir ce que nous devons répliquer. Mais aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que nous, les chrétiens, nous refusons la préparation. Nous voulons tous être des personnes qui connaissons tout. Nous refusons le temps de se faire former pour justement pouvoir mettre en avant ce que nous avons. Parce que Dieu a déposé en chacun de nous des potentialités. Le domaine dans lequel tu es fort, peut-être ce domaine-là, moi je ne le suis pas. Je suis fort dans un autre domaine qui est différent. Mais je dois prendre le temps de travailler le domaine dans lequel je suis. Si je suis fort dans le domaine de finances, je dois apprendre à me préparer par rapport à ça. Je dois apprendre à m'aguerrir, à être une personne lorsque dans ce domaine-là on va parler, on sent que non. On a affaire à quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit.
Pourquoi je fais ressortir cela? C'est pour nous montrer combien cela est important pour nous. Parce que prendre possession de ton héritage renferme le grand package, mais dans lequel chacun a un domaine bien précis. Peut-être que toi, ton domaine, c'est le sport. Peut-être que toi, ton domaine, c'est la musique. Peut-être que toi, ton domaine, c'est les affaires. Peut-être que toi, ton domaine, c'est dans l'entrepreneuriat. Mais il faudrait préparer, se préparer. Il faudrait justement faire cet exercice-là qu'on a l'habitude de faire le matin. Parce que chaque matin, c'est la routine. On se réveille, on refait la même chose. On ne prend pas le temps de fois de s'asseoir et de comprendre que dans certaines choses dans la vie, on le refait facilement. C'est-à-dire, tous les jours, on le refait, mais comment je peux dire? Tant que tu ne réfléchis pas sur la chose, tu passes comme ça parce que c'est facile. C'est comme avec le souffle de vie. Quand on se lève le matin, on a le souffle de vie, on croit que... Alors qu'il y en a qui, ce matin, ont rendu leur âme. Amen. Ce sont des choses, des petites choses, banales peut-être, mais qui sont importantes dans la vie. Qui régulent tout ce que tu vas faire par la suite. Parce que si je ne suis pas bien préparé, si je ne me sens pas bien moi-même, je ne pourrai pas donner le maximum. Être dans cette capacité-là d'atteindre le 100%. Pourquoi? Parce que je vais sentir toujours en moi que aujourd'hui c'est vrai, j'étais sorti vite de la maison. Il y a quelque chose. Alors ça fait que dans certaines choses, je ne sais pas comment je peux dire être à l'aise. Donc c'est pour montrer combien c'est capital, mais combien aussi nous ignorons cela. Nous passons que c'est des choses qui sont faites comme ça. Amen. Tant que nous ne prenons pas le temps de réfléchir sur certains actes que nous posons, nous risquerons de passer à côté. On dit la valeur d'une chose, c'est lorsque tu l'as perdue. Quand tu ne l'as pas perdu, tu ne t'en rends pas compte. Moi, je me souviens que deux fois, quand il arrive que Proximus coupe ses chaînes, c'est alors que je commence à chercher à regarder des chaînes même que je n'avais pas en tête. Mais alors que je les avais tous les jours. Mais le fait qu'on a coupé, amen, ça créait en moi un désir, comment je peux dire, de rechercher, alors que je les ai tous les jours. Mais comme je les ai, je passe. Je ne prends pas la peine, je passe. Mais c'est le jour où on coupe, le signal n'est pas là, qu'on commence à se dire, ah tiens, ah je voulais regarder tel truc, ah mais on a coupé. Amen. Donc si déjà par ça, parce que la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu nous dit que nous devons être enseignés même par les choses quotidiennes. Il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait un ange qui descend, qui vient, qui dit que non, ici il faut faire ceci, non. Et c'est la même chose. Des fois nous négligeons, nous bâclons la préparation. Et dans cette étude, nous allons justement voir des cas, des prophètes, des apôtres, que Dieu lui-même a choisi. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à ces petits détails. Dieu est regardant dans ces petites choses pour lesquelles peut-être nous passons. Mais lui regarde et voit. À la manière dont tu prendras au sérieux ta préparation. Si tu comprends que voilà, le temps où je suis ici, à l'église La Borne Bruxelles, c'est un temps de préparation. Où le Seigneur me prépare et veut m'amener à des choses encore beaucoup plus meilleures. Alors, je ne vais pas négliger le travail dans le département où je suis. Je ne vais pas négliger le travail dans le domaine où je suis. Je veux chercher à faire un travail excellent. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Dieu regarde.
à la manière dont je prends au sérieux le temps de réunir, de se préparer pour lui donner le meilleur. Dieu est un Dieu des souvenirs, bien-aimés. N'oublions pas cela. Alors nous allons, après cette petite introduction, passer à la définition où nous voulons quand même comprendre la préparation. C'est quoi la préparation? Ça peut sembler banal, mais c'est quoi la préparation? Et j'ai retenu quelques définitions selon le Larousse, et puis je suis allé chercher selon la Bible, la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu sur la préparation? Et selon le Larousse, nous avons quelques définitions qui vont nous aider. On dit préparer, premièrement, c'est l'action de préparer. La préparation, c'est l'action de préparer, de se préparer. On donne des exemples, préparation d'un repas. On donne un autre exemple pour les juristes, plaider sans préparation, il y a des conséquences. Quand on se retrouve au tribunal et qu'on n'a pas préparé sa plaidoirie, c'est fatal. Parce que l'adversaire ne va pas te laisser. Il va te casser et chercher des arguments pour que tu puisses perdre. Donc nous voyons que la préparation a un rôle important. On nous parle au niveau de militaire, on dit préparation militaire, instruction militaire, donnée à certains jeunes gens volontaires, spécialistes ou futurs cadres, avant leur service militaire. C'est-à-dire avant qu'ils n'entrent, qu'ils ne commencent, le militaire doit d'abord être préparé. On doit le préparer. Parce que ce qu'il va aller rencontrer là-bas, ce qu'il va aller trouver là-bas, ce ne sont pas des choses qu'on voit partout. Il y a la préparation au travail, élaboration de toutes les instructions relatives à un travail donné. Là, on nous parle, on nous dit, il y a une méthode à suivre, les outillages à employer, les matières à utiliser, etc. Et moi, je suis dans un domaine de l'aviation. Et chez nous, pour que tu puisses faire quelque chose, il faut que tu sois préparé. Et la consigne est claire. Tant que tu n'es pas préparé, tu ne peux pas toucher. Même si tu l'avais appris. Mais il faut que la société où tu es actuellement puisse te former, puisse te préparer pour utiliser tel ou tel outil. Tu dois passer par là, c'est obligatoire. Tu ne peux pas venir, on t'engage, malgré ton CV qui est long comme un bras, tu viens, tu dis, oui, moi j'ai déjà eu à faire ça. Chez nous, c'est zéro. Chez nous, quand on t'engage, tu recommences toi à zéro. Parce qu'on doit t'apprendre. On doit nous-mêmes nous assurer qu'on t'a appris. Et après chaque préparation, on nous donne un certificat pour dire, voilà, il est maintenant apte. Il peut utiliser telle machine. Il peut s'en servir parce qu'on lui a appris comment est-ce qu'il doit l'utiliser. Tant que tu n'as pas passé ta préparation, tu peux avoir un doctorat, je ne sais pas moi de quoi en aviation. Chez nous, ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut avant tout que tu sois préparé pour... Et cela épargne de beaucoup de dégâts. Parce que même nous-mêmes qui savons manipuler, deux fois nous commettons des fautes. Mais imaginez maintenant celui à qui on n'a pas appris à préparer, on n'a rien montré. C'est de la même manière avec les choses de Dieu. Nous devons insister, insister sur la préparation. Parce que la préparation fait gagner un gain de temps. Une personne qui est préparée, qui sait ce qu'il doit faire, c'est un gain de temps. Mais la non-préparation fait des dégâts.
Parce que la personne dira, oui, je connais, je sais. Mais le savoir qu'il a, c'est peut-être différent du savoir que vous, vous voulez. Alors ça crée des dégâts. Et nous avons aussi la préparation selon la Bible. Amen. Selon la Bible, la préparation en grec, paraché, terme désignant chez les juifs la veille du sabbat ou d'une fête religieuse. C'est ça la préparation selon la Bible. C'est un terme qui désigne chez les juifs la veille du sabbat, puisque à l'époque le sabbat on ne doit rien faire. Alors il faut qu'on prépare le sabbat. On le trouve dans Matthieu 27, 62, Luc 23, 54, Jean 19, 14, 31 et 42, les versets. Donc dans Matthieu 27, 62, nous pouvons lire vite Matthieu 27, 62. On dit le lendemain qui était le jour après la préparation. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Donc pour se présenter, ils ont attendu le lendemain. Parce qu'il y avait d'abord la préparation qui devait être faite. Amen. Dans Luc 23, 54. Où on nous parle aussi de la préparation. Luc 23, 54. On dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc le jour avant le sabbat, c'est ça la préparation en termes bibliques. Pour la valeur chronologique de ce terme dans les récits synoptiques, les récits synoptiques sont des récits où on voit l'ensemble. Donc synoptique vient d'un terme grec qui signifie voir ensemble. Les trois évangiles qui sont synoptiques sont les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Donc pourquoi on les appelle synoptiques? Parce qu'ils ont une narration très semblable, qui permet de les voir ensemble et de les comparer. Amen. Donc, utiliser une synopse permet de saisir d'un coup d'œil les divers aspects d'un ensemble. C'est ça le terme. Donc, les trois synoptiques présentent une vie de Jésus émaillée de paroles qui exposent le message christique. Et la valeur, elle n'est pas seulement synoptique, elle est aussi joannique. Joannique, c'est-à-dire le corpus joannique, est un ensemble de cinq textes du Nouveau Testament que la tradition chrétienne a attribué depuis l'Antiquité à Jean, fils de Zébédée, l'un des principaux disciples de Jésus de Nazareth. L'évangile joannique se caractérise par une mise en valeur du message spirituel, de la passion, voire chronol, dans le Nouveau Testament, livres 1 et 4. Donc, dans la chronologie, on dit comme chaque journée commençait à 6 heures du soir, la veille du sabbat, appelé aussi pro-sabbaton, était le vendredi jusqu'à cette heure-là. C'était ça la préparation. Et en quoi consistait la préparation à cette époque? On dit en vue du jour du repos, on apprêtait les aliments. Donc on devait déjà préparer. On apprêtait les aliments et tous ceux qui exigeaient un travail interdit le lendemain. C'est-à-dire le lendemain on interdisait, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Alors on devait préparer déjà des choses
pour éviter qu'on se retrouve le jour où on ne doit plus faire telle chose, en train de faire la chose. D'où le nom de préparation pour la veille du samedi. On nous dit que le chrétien emprunteur aux juifs ce nom du vendredi. Ils l'ont emprunté aux juifs. Et dans le Didache, ce qui est un enseignement de 12 apôtres, on nous parle de cela. On nous dit que le calendrier grec appelle encore aujourd'hui Paraskoué, c'est ainsi qu'à Salonique, une grande basilique de vieille construction byzantine est toujours désignée par les chrétiens grecs comme l'église de Saint Paraskevi, donc Saint Vendredi. Parce que tout se préparait le vendredi pour que le samedi, le jour du sabbat, qu'on ne puisse rien faire. Donc, la préparation, c'est quelque chose qui existait déjà. Ça veut dire, même dans le service de Dieu, on prenait déjà la peine de se préparer. Amen. C'est-à-dire, on ne faisait pas les choses à la hâte. On ne faisait pas les choses parce qu'il fallait le faire. Mais on prenait le temps de bien préparer le service. De bien préparer ce qui devait être fait le samedi. Puisque le samedi, c'était le sabbat. Et le sabbat, on ne pouvait rien faire. C'était ce que Dieu avait ordonné. Il a dit, le sabbat, moi, je me suis reposé. Alors, comme moi, je me suis reposé, ce jour-là, reposez-vous aussi. Mais que faire? On ne va pas dire à Dieu, oui, toi, tu as dit qu'on ne fait rien. Bon, du coup, non. L'organisation entre en jeu. L'organisation, elle est humaine. Amen. C'est-à-dire, l'homme a réfléchi comment est-ce que nous pouvons éviter le piège d'arriver le samedi et de se retrouver en train de faire alors que Dieu a interdit. C'est alors qu'ils se sont organisés pour que tout soit fait le vendredi. Si on avait quelque chose à faire le samedi, on devait le faire soit le vendredi ou attendre après le samedi. Si à cette époque-là, on était déjà aussi organisé, si à cette époque-là, il y avait ce respect de la préparation, l'importance de la préparation était mise en avant. Ça veut dire dans la semaine, on était là, on avait des activités, mais dès qu'on arrivait le vendredi, on devait déjà se mettre en tête, on doit préparer parce que le samedi, on ne doit pas tomber dans le piège de faire ce qui est interdit par Dieu. Et quand nous prenons cela en compte, c'est un avantage crucial dans la vie. Quand on sait prendre en compte la préparation, quand on ne le néglige pas. Parce que c'est ce qui détermine la suite. C'est ce qui détermine la suite. La préparation nous permet d'optimiser les opportunités. Puisque je me suis préparé, quand il y aura une opportunité, je serai apte, je vais rebondir facilement. Mais celui qui ne s'est pas préparé, il va commencer encore à chercher qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Il va commencer encore à réfléchir. Mais celui qui s'est déjà préparé, lorsque l'opportunité va se présenter, lorsqu'il aura le moyen, il ne va pas le rater. C'est comme pour les étudiants. Celui qui se prépare déjà dès le départ, au moment où les autres tremblent parce que les examens approchent, lui est à l'aise.
Lui peut aller même jouer. On lui dit, mais toi tu joues, tu as des examens, non? Non, il est parce que il s'est préparé déjà dès le départ. Il n'a pas attendu le dernier jour. Il n'a pas attendu qu'on puisse annoncer que ça commence pour qu'il puisse dire, ah, maintenant, je vais me faire un plan pour commencer à me préparer. Donc, celui-là a maximisé sa réussite. Le cours que tu revises souvent, ce cours-là, tu seras à l'aise. Parce que même les yeux fermés, tu vas répondre. Mais le cours où tu n'ouvres même pas, même si c'est 10 pages, nous tous on est passés par là. 10 pages devenaient comme un syllabus pour que tu les termines. Tu es toujours à la deuxième page, tu reviens, tu passes, tu reviens. Pourquoi? Parce que c'est un cours où tu n'avais pas l'habitude. Tu n'ouvrais jamais, tu ne regardais jamais. Et le fait que tu ne t'es pas préparé, maintenant ça arrive au moment de la vérité. C'est-à-dire au moment où maintenant lui va te réclamer. Il va dire, non, j'ai maintenant moi besoin de toi. Toi tu m'es négligé, il n'y avait pas de souci. Mais maintenant là, moi j'ai besoin de toi. Parce que pour passer, tu as besoin de mes points. Tu as besoin de bien travailler dans cette discipline. Et c'est alors que tu te rends compte que le temps que tu avais perdu, tu commences à réfléchir, à te dire, ah, si on pouvait encore revenir en arrière, si je pouvais ceci, mais c'est tard. Mais tu vas voir que pour ce cours-là qui a 10 pages, tu passes plus de temps que pour un syllabus où tu avais l'habitude chaque fois de prendre le temps de lire 2, 3 feuilles. Là, c'est papa, c'est fini. Toi-même, tu te dis, mais il y a un problème, je ne sais pas, est-ce que c'est mon cerveau qui bloque? Non, ce n'est pas le problème du cerveau. Tu as négligé le temps de la préparation. Pour ce cours-là, tu n'as pas donné le même temps que tu avais donné à l'autre. Alors tu te retrouves maintenant au moment de vérité, où tu es bloqué, parce que tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas aller autre, et tu vas te présenter à ce cours-là, il y aura des questions, tu vas dire, c'est facile, mais tu n'avais pas préparé. Le problème, ce n'est pas les questions. Le problème, c'est la préparation. Tu n'as pas pris suffisamment de temps pour se préparer. Bien-aimé, c'est de la même manière aujourd'hui, nous voulons étendre le royaume de Dieu. Nous devons nous préparer. Nous devons prendre ce temps-là au sérieux de se préparer. Si nous voulons faire du mal à l'ennemi, nous devons passer du temps à se préparer sérieusement. À se préparer sérieusement. Et c'est là où les chrétiens nous sommes faibles. Nous pensons que tout, c'est la manne, ça tombe du ciel parce que j'ai prié. Non, Dieu est ferme dans ses principes. Nous le voyons que la préparation, ce n'est pas quelque chose, c'est Dieu lui-même, il était dedans. C'est-à-dire pour qu'on puisse lui faire un travail, les gens se sont organisés pour se préparer. Pourquoi? Parce qu'il devait rendre un meilleur service à Dieu. Ça ne devait pas être bâclé parce que Dieu a dit que le sabbat, on ne fait rien. Alors eux aussi devaient se présenter devant Dieu, dire, non Dieu, c'est le sabbat, nous on ne fait rien. Non, Dieu est un Dieu exigeant, bien-aimé. Dieu est un Dieu exigeant. Lisons la parole de Dieu, c'est un Dieu exigeant. Nous allons lire les cas ici. Nous voyons comment Dieu était exigeant. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu est devenu notre ami. C'est comme si les choses de Dieu ont changé. On a révolutionné ça par rapport à tout ce qui est modernité. Non, bien-aimé, Dieu ne change pas. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Sa parole, c'est ça la vérité. Ne néglige pas le temps de préparation, toi ouvrier, qui es dans un département. Fais-le très bien. Donne le maximum. Investis-toi. Le problème, c'est quoi? C'est que nous travaillons en regardant les autres. Ah, tel n'est pas venu. Ah, c'est toujours moi qui viens. Oui, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, mon frère. Ce que tu fais, tu investis dans la préparation.
Le jour où Dieu va te qualifier, il va te qualifier en se souvenant de ce temps de préparation. Et nous allons voir des cas ici. Ils étaient plusieurs, mais en fonction de l'investissement dans la préparation, Dieu a tiré une personne. Parce que Dieu tient compte, Dieu regarde. Si tu le fais avec un cœur désintéressé, mais tu le fais avec l'amour de Dieu, Dieu voit. Sauf si tu le fais dans un but d'être vu des hommes, dans un but de récolter des faveurs, là c'est autre chose. Toi-même tu te disqualifies. Mais quand tu le fais en sachant que je fais ce travail pour Dieu, il me permet d'être là, je dois m'investir à 100%. Il me permet d'être là, je dois le faire à 200%. Je ne dois pas attendre qu'il y ait tel ou tel. Non. Parce que Dieu ne regarde pas au nombre, mais Dieu regarde à la disposition. Amen. Quand je me dispose, Dieu voit mon cœur. Alors ne néglige pas, ne bafoue pas ce temps de préparation qui est crucial, qui est important, qui te permettra de réussir dans différentes sphères, qui te permettra de monter. Les gens seront étonnés, ils vont dire, mais comment cette personne, comment est-ce qu'il a gravi? Vous savez le monde, hein? On est dans un monde méchant. Il ne faut pas rêver, ne croyez pas qu'on est dans un monde gentil. Non, on est dans un monde méchant. Quand je dis un monde méchant, c'est-à-dire que tu seras là en train de faire ton travail, tu prends ton temps, tu te prépares. Mais les gens viendront, trouveront toujours des choses à dire. Que non, ce n'était pas Dieu. D'ailleurs, on imaginera des choses. Ah non, vous voyez, parle-toi avec le patron. Peut-être qu'il sort déjà avec le patron. Oh, il faut, c'est ça le monde. Mais toi qui sais la vérité, toi qui connais que non, je fléchis mes genoux, je prends mon temps de préparation au sérieux, le Seigneur va t'amener encore beaucoup plus loin. Amen. Donc la préparation, c'est quelque chose qui est important, que ce soit dans le cadre professionnel, académique, personnel ou spirituel. La préparation offre de nombreux bénéfices. Amen. Elle nous aide. On explorera les divers avantages que la préparation procure aux individus en mettant en lumière les différents types de préparation, tels que la préparation spirituelle, mentale et physique. C'est pour nous montrer que Dieu utilise l'homme dans son entièreté. Amen. Des fois, nous négligeons. On dit, ah non, moi, c'est toujours... Moi, c'est le spirituel. Je veux seulement... Non, bien-aimé. Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dans tout ce que nous faisons avec Dieu, recherchons l'équilibre. Parce que nous le faisons, c'est pour le royaume. Et dans le royaume, il faut l'équilibre. Sinon, tu vas t'épuiser dans un domaine alors que Dieu veut que tu puisses t'équilibrer justement pour que tu puisses rester stable. Le fait que tu es trop dans ces domaines-là et dans l'autre, tu as négligé, tu n'es pas, ben, ça te crée des soucis, des problèmes de santé, des problèmes que tu ne comprendras pas. Mais c'est parce que tu n'as pas l'équilibre. Tu penses que Dieu est seulement... Non. Dieu est un Dieu d'équilibre. Après avoir exploré cela, dans cette étude biblique, nous allons plutôt aborder l'aspect préparation qui concerne l'homme et non comme activité. C'est vrai, nous allons parler aussi des activités, mais nous allons parler de l'homme qui doit se préparer. Parce que nous devons prendre possession de l'héritage. C'est l'homme qui doit prendre possession de l'héritage. Et cet homme-là doit apprendre à se préparer. De diverses manières. Mais il doit arriver à faire en lui l'homme dans la stature de Christ. L'homme parfait.
Amen. Il doit être préparé avant de prendre possession de son héritage. Et la Bible nous en parle. Où il est dit que un enfant ne peut pas hériter parce qu'il est enfant. Donc, il doit être préparé pour arriver à comprendre ce qu'il doit hériter. Parce qu'on peut te donner de l'or, mais si tu as un enfant, tu ne connais pas la valeur de l'or. Et encore que même si on te dit que c'est de l'or, mais tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire avec cet or. Comment tu dois le mettre en valeur. Tout ça, tout cela demande de la préparation. Nous allons donc parler de la préparation qui va englober tous ces aspects-là. La préparation spirituelle, mentale et physique. Parce que comme on l'a appris, le corps aussi a besoin du repos. Il doit se préparer. C'est-à-dire que pour remettre mon corps en état, j'ai besoin aussi de ressourcer mes énergies. Ça fait partie de la préparation. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu vas aller tête baissée. Alors que tu es en train de user ton corps. Mais le Seigneur a besoin de ce corps. Parce que c'est ce corps qui doit s'élever, qui doit aller évangéliser, qui doit aller gagner les âmes. Et une chose capitale que nous devons retenir, c'est que Dieu n'appelle pas suivant la qualité de la personne. Mais il vient sur ce que l'Esprit a préparé. C'est très important. Tu peux être rempli de qualité. Nous avons le cas de Saül et de David. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui prépare. Et nous allons voir pour cela le cas de Josué. Nous parlerons du cas d'Élisée. Et nous terminerons par le cas de l'apôtre Paul. Et concernant tous ces cas, nous verrons que c'est Dieu lui-même. Amen. Qui a porté le choix. Et quand je lisais, je dis, mais comment est-ce que les hommes, les personnes sont là? Mais c'est Dieu lui-même qui portait le choix, qui disait, mettez pour moi tel ou prenez tel. Et après, j'ai compris une chose. Deux fois, nous nous battons dans le monde pour des postes et autres, alors que c'est Dieu lui-même qui choisit, en vérité. Même si l'homme vient à proposer, mais c'est Dieu qui met son sceau, c'est-à-dire qui confirme le choix. Et là, la personne est remplie de capacités pour faire. Parce que Dieu sait que, en cette personne, j'ai mis mon temps de préparation. Je l'ai préparé à. Amen. Parce que deux fois, nous les hommes, nous arrêtons sur ce qui frappe. On voit, il est ceci, il a telle capacité ou il a telle compétence. On se base sur ça. Mais Dieu, au-delà de ça, il le qualifie par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons Christ qui est notre modèle. Quand il est arrivé, on dit quoi? Le jour de son baptême, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Donc, arrêtons de nous disputer deux fois pour des choses que Dieu lui-même a le dernier mot. On peut te prendre, on te met, mais si c'est Dieu, Dieu va confirmer. Et si ce n'est pas Dieu, Dieu va disqualifier. Parce que c'est sa volonté qui doit s'accomplir. Et surtout dans les choses de Dieu. Toi, travaille ta préparation. Ne néglige pas ta préparation. Amen.
prends le temps de te conformer à ce que Dieu veut, à ce que Dieu désire. Parce que Dieu place, il place, mais c'est celui qui va prendre en considération. C'est-à-dire qu'il va prendre, c'est comme avec les talents. La parabole des talents, on a donné, on a donné, on a donné. C'est lui qui a pris la considération. Il est allé, il a multiplié. Mais l'autre a fait quoi? Il l'a gardé, il l'a laissé dans le même état, dans la même situation. Aujourd'hui, tu te retrouves, tu es peut-être à l'évangélisation, tu es à la chorale, tu es à l'accueil, tu es dans tel département. Bien-aimé, Dieu place, mais il ne place pas en vain. Il place pour que nous puissions travailler. Ça veut dire que nous puissions nous préparer à lui rendre quelque chose de meilleur. À faire en sorte que lorsque l'on voit ton service, que l'on glorifie Dieu. À faire en sorte que lorsqu'on voit ta manière de travailler, que l'on glorifie Dieu. Mais qu'est-ce que, ou quelle est la manière dont tu te prépares? Si tu te prépares dans la négligence, en négligeant certaines choses, parce qu'aujourd'hui c'est ça, les gens disent, ah oui, c'est le travail de Dieu, non? C'est comme si dans le travail de Dieu qu'on doit mettre des crasses, qu'on doit mettre des choses sans valeur, qu'on doit faire n'importe comment. Alors que c'est là qu'il faut exceller. Parce que celui qui fait sortir de l'ombre et qui mène à la lumière, c'est Dieu. Tu peux être dans un endroit où personne ne connaît, personne n'entend parler. Mais par la manière dont tu te prépares, et Dieu voit, un jour, Dieu t'expose. Sans effort. Sans combat, sans murmure, sans dispute, parce que c'est lui qui expose, c'est Dieu. Et quand Dieu décide d'exposer, personne ne peut l'arrêter, personne. Tu peux tout, on peut tout essayer, tout essayer, mais Dieu qui a décidé que c'est tel, il fait sortir à la lumière ce qui était caché, ce que les personnes négligeaient. Dieu fait sortir à la lumière. Parce qu'il est le Dieu qui qualifie ceux qui sont disqualifiés. Pour les hommes, on peut dire, ouais, cette personne pour rien. Mais Dieu qualifie ce que les hommes disqualifient. Parce que c'est lui qui a la qualification en main, en fait, c'est Dieu. Mais ça partira d'une préparation. Il y aura des temps d'échec, des temps de pleurs, des temps de questionnement, mais de la manière dont on va encore se relever, on va encore prendre au sérieux la chose, on va encore passer du temps à se préparer. C'est de cette manière-là que Dieu va voir, il va dire non. Mettez telle personne pour mon service à part. Parce que j'ai besoin de lui. Mais c'est parti de quelque chose que les gens n'ont pas vu. Que les gens peut-être négligeaient, mais toi tu ne négligeais pas. À chaque fois que tu te pointais pour faire ce service, tu le faisais de manière waouh. Mais c'était ta préparation. Et avec les choses de Dieu, Dieu sait mettre tout le monde d'accord. Dieu sait mettre tout le monde d'accord. Il fait taire les contestations. Mais cela dépend de la manière dont tu te prépares. Si tu te prépares sérieusement, si tu te prépares en conséquence,
comme si c'est le travail que tu rendais au roi de ce pays. Bien-aimé, le Seigneur récompense. Il récompense toujours. Alors, c'est très important de prendre cette étape-là de la préparation en compte. De ne pas seulement se préparer quand nous devons aller à un rendez-vous, quand nous devons aller à une rencontre, un rencard ou je ne sais pas moi quoi. De ne pas seulement prendre ce moment-là au sérieux et de négliger les autres moments. De comprendre que tout ce que nous faisons demande une bonne préparation. Puisque peut-être, toi tu vas te dire, c'est juste, je vais partir, je vais juste avoir une heure et puis après, c'est fini. Mais tu ne sais pas, dans ce une heure-là, il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui voit, qui observe et qui fait un jugement. Mais parce que c'était bâclé, on déclasse. Le jour où on présente, on dit, c'est qui? C'est elle. Ah, mais non. Mais tu ne comprends pas, mais il ne me connaît pas. Comment est-ce que non? Il a eu peut-être une occasion où toi, tu n'avais pas mis l'accent. Tu avais négligé, mais lui, il était là justement pour observer, pour voir. Et ça fait partie aussi des éléments que nous allons évoquer dans la préparation, l'observation. Il faut toujours se dire que là où je suis, là où je vais passer, il y aura quelqu'un qui ne me connaît pas, quelqu'un qui sera peut-être là dans un autre but que. Alors, je dois être très, très, très bien présenté. Pourquoi ? Pour que je ne sois pas jugé par défaut. Donc, le temps est écoulé. Voilà un peu jusque ce que nous allons développer durant ces 3 jours qui nous restent, puisqu'il nous reste 3 mercredis. Nous allons parler des divers cas dans la Bible qui ont eu à succéder, mais la succession ne s'est pas faite de manière, désintéressée, non. Et dans tous ces cas, nous verrons que c'est Dieu lui-même l'auteur. Amen. Pour nous faire comprendre que notre préparation est jugée par Dieu lui-même. Ce n'est pas dire que je fais ça parce que le pasteur va me voir. Je fais ça parce que l'ancien va me voir. Je fais ça parce que le diacre va me voir. Ou je fais ça parce que mon responsable va me voir. Non, bien-aimé. C'est Dieu lui-même. Donc, prenons cela au sérieux. Donc, prochainement, nous allons commencer avec le cas de Josué. Et là, nous serons dans Nombre 13, 1 à 20, Nombre 14, 6 à 10, Nombre 27, 12, 23, et Deutéronome 31, 1 à 8, Deutéronome 34, 9, Josué 2, 1, Josué 1, 17, 18. Et nous allons voir les avantages de la préparation pour Josué. C'est que la préparation lui a permis d'obtenir, d'avoir, de faire, de continuer. Voilà un peu. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Oui, ma sœur, il faut prendre le micro comme ça passe en direct, tout le monde écoute.
Merci beaucoup, frère Ancien Gauthier. J'aime bien ce que vous avez dit, que c'est la préparation qui détermine la suite. Mais j'aimerais juste reprendre quelque chose que tu avais dit avant. Vous parlez de Shabbat. Vous parlez justement de Dieu avait fait un repos, le Shabbat. Oui. Mais je demande pourquoi nous, on ne respecte pas ça. Simplement, c'est un petit peu dehors de... Non, c'est une bonne question, oui. Mais parce que je vois que les Juifs, ils le font toujours, même le messianique juif le fait toujours. Il y a certains chrétiens qui font, mais nous, on suit le calendrier romain à la place de le calendrier. Parce que moi, j'ai toujours dit que si... Jésus revient, ou s'il doit faire quelque chose, est-ce qu'il ne va pas faire ça sur un de les fêtes que c'était déjà planifié avant? Merci. Ok, une très bonne question. Donc, dans votre question, vous avez même donné une partie de la réponse, parce que c'est ça en fait le problème. Vous avez très bien dit, Dieu a institué le sabbat. Et le sabbat ici, c'est dans le calendrier juif que l'on le retrouve ou c'est respecté. Dans le calendrier romain, parce que nous suivons le calendrier romain. Et dans le calendrier romain, justement, le sabbat, c'est quelque chose qui est là, puisqu'on parle du samedi. Mais ce n'est pas comme dans le calendrier juif où on ne doit rien faire parce que Dieu l'avait imposé. Puisque là, nous sommes dans la nation d'Israël. Ok? Et ici, tu es en Belgique. Tu ne vas pas demander à un Belge de respecter. Il va te dire, non, ça ne nous concerne pas. Ça concerne les Juifs parce que c'est un calendrier juif. C'est ça. Parce qu'au départ, tous les peuples ici, c'est des peuples qu'on est en train de gagner, de conquérir. On les trouve avec leurs traditions. On les trouve avec leurs us et coutumes. Et on ne peut pas justement venir tout changer d'un coup. C'est là où il y a cette guerre-là. Okay. Il y a cette guerre-là justement parce que quand nous restons dans la Bible, le sabbat, c'est quelque chose que l'on doit... Et aujourd'hui, même ta question même m'est revenue quand je préparais justement ce temps d'enseignement par rapport à ça. J'ai dit, Seigneur, maintenant là, c'est vrai, nous préparons ton retour, ta venue. Mais voilà, on parle de jour du travail. Mais aujourd'hui dans ce monde, on est confronté parce que on disait que le sabbat, c'est le dimanche. C'est ça dans la compréhension, on va dire, romaine de la chose. Le dimanche, c'est le jour sacré du Seigneur où on ne travaille pas. Ok? Mais aujourd'hui, combien nous travaillons les dimanches? Puisque, justement, les us et coutumes ici font en sorte que, quand c'est imposé, c'est l'État qui vient. Vous voyez, il y a cette dualité avec l'État. Parce que l'État, aujourd'hui, a repris beaucoup de choses religieuses. C'est ça qui fait que c'est un peu, dur de vouloir faire ça parce qu'il y a l'État qui vient et qui impose, qui dit voilà, nous, ce que nous décidons, c'est ça. Et nous sommes confrontés justement parce que nous devons suivre ce que l'État fait. Donc, on n'est pas dans un État religieux. Vous voyez quand on parle des islamistes qui parlent de... Là, c'est des États religieux. Mais ici, nous ne sommes pas dans un État religieux. C'est ça justement le grand combat. Parce que dans un état religieux, on respecterait ce qu'on dit là. Puisqu'on suivra ça. Les juifs sont encore trop. Il y a l'état, mais il y a la religion qui a encore un poids chez les juifs. Mais tandis que nous ici aujourd'hui, on est en train de faire perdre de plus en plus le religieux. Vous voyez, on parle maintenant de... les vacances de Pâques, c'est plus les vacances de Pâques, de printemps. Pourquoi? On veut sortir tout ce qui est religieux, tout ce qui est à caractère religieux, qui donnait une certaine force.
on les change pour dire non, 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 parce qu'on ne veut pas justement dans l'affaire que Dieu soit mentionné. Donc c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à votre question, mais c'est une question que moi-même aussi, je me suis posé cette question. J'ai dit, ben voilà, aujourd'hui, samedi, dimanche, on nous programme, on travaille, on est contraint par rapport à l'État. Ce n'est pas de volonté de la personne, ce n'est pas sur le plan religieux. Si on va chez les chrétiens, on va dire que le chrétien, c'est le dimanche qu'il considère comme étant le sabbat. Et même dans cette histoire, quand vous lisez, on dit qu'on doit consacrer toute la journée. C'est-à-dire, même nous chrétiens qui faisons, nous ne le faisons pas complètement. Parce qu'aujourd'hui, si on dit à l'église, et une fois on a eu une discussion avec quelqu'un, parce que quand tu vas chez en Afrique, hein, les kimbanguistes, et le dimanche, c'est toute la journée. Ce n'est pas de « ah, non », c'est toute la journée. Ils vont le matin au temple jusqu'en soirée. Vous voyez? Donc, il y a des valeurs que nous perdons à cause de cette dualité avec l'État. C'est pour cela que nous disons justement que nous devons, nous chrétiens, nous préparer, préparer nos enfants, nos étudiants, préparer la relève qui va venir justement pour changer ces choses. Parce que si ces choses doivent être changées, ça doit être changé dans un contexte. On ne peut pas comme ça, les églises se lever et dire non, parce que non, parce que on est dans l'étatique. Il faut que ce soit des propositions de loi qui entrent dans des parlements. Et pour cela, nous avons besoin justement des personnes qui sont préparées, qui connaissent et qui vont défendre ces valeurs-là. Parce qu'aujourd'hui, on nous retire toutes les valeurs chrétiennes. L'État fait tout. Déjà avec le mariage, le divorce, c'est quelque chose qui s'est fait maintenant comme ça. Alors qu'avant, il fallait une certaine procédure. Donc, on banalise les choses. C'est dans un dessein bien précis pour que Dieu soit sorti. Parce qu'on parle d'État, non, on va dire l'État n'est pas, il est laïque. Mais c'est justement ça, parce que les laïcs se sont levés, ils ont dit, bon, vous nous dites que c'est laïque, mais on a le vacances de Pâques, on a ceci, on a cela. Et c'est ça justement, maintenant en face, nous n'avons pas préparé des gens pour aller justement confronter ces raisonnements-là, pour aller les affronter. C'est pour cela que nous devons pas seulement prier, mais préparer des gens pour aller justement essayer de renverser de tels raisonnements. Vous avez tout à fait raison. Oui, micro. Je voulais peut-être renchérir. Renchérir. Oui. Parce que c'est vraiment, ça fait partie d'une inquiétude pour nous qui venons à l'église le dimanche au lieu de samedi. Seulement, je voulais savoir, est-ce que l'effet d'observer les cultes le dimanche ou le samedi, ça peut faire en sorte que nous soyons vraiment dans la volonté de Dieu ou pas? Ça, c'était ma première préoccupation, parce que je me base sur les versets de Romains chapitre 14, le verset 5, maman chérie, je voulais donner aussi ça. La Bible dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux. Que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Donc pour moi, je pense que le problème, ce n'est pas les jours. Le problème, voilà, c'est notre conviction et notre foi. Merci beaucoup. Ok, très bien répondu. Donc c'est ça. Parce que Dieu ne s'attache pas aux choses, on va dire... où l'ennemi veut l'enfermer. C'est-à-dire, pour l'ennemi, il place des choses pour que lorsque nous tombons dans ces choses, il vient et dit, ah, regardez ici, il y a une faute. Je prends un exemple, quand on est venu vers Jésus, ses disciples ne lavaient pas les mains. Parce qu'avant de manger, il fallait laver les mains. C'était une règle.
On lui dit, mais comment est-ce que nous, on respecte tout, même ça, mais eux là-bas, ils sont en train de fauter. Vous comprenez? C'est pour renchérir sur ce qu'il a dit. Donc, c'est vraiment la conviction. Parce que nous serons amenés, ici nous avons la liberté de prier, de louer Dieu. Mais il y a des temps où on ne pourra pas se réunir. Comment on va faire? On va dire parce qu'on ne peut pas, on ne va pas se réunir. Non, parce que justement, il y a la conviction de savoir que l'église, ce n'est pas seulement quand je vais. C'est vrai, Dieu permet que nous ayons des temples où nous allons. Mais le jour où Dieu ne le permet pas, c'est dans mon cœur. C'est très important. Donc, c'est vraiment pour nous aider dans ce sens-là. Il y a des choses pour lesquelles l'ennemi a essayé justement de vouloir détruire, si je puis dire. Mais Dieu, dans sa manicience, a déjà prévu des mécanismes, a déjà prévu des moyens pour que nous puissions échapper, pour que nous ne puissions pas être renfermés dans ces choses-là. Donc, voilà un peu. Il y a une autre question. Ah, il y a une réponse. Oui, une réponse qui a été donnée en ligne. On dit, le sabbat est un jour de repos que Dieu avait institué à Israël où tout travail était interdit. Ce fut dans la loi de Moïse. Christ venu accomplir la loi en est. Christ venu accomplir la loi. En est-il notre repos? Lui-même a eu à faire des guérisons le jour du sabbat, comme pour dire que ce n'est plus un jour nous trouvons le repos, mais en lui. Voilà. Voilà une réponse, maman chérie. Donc voilà le complément. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, nous pouvons nous lever pour clôturer, puisque le temps est largement...